Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici Star Royal et aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, pour la nouvelle série, car tout simplement vous avez été énormément dire oui pour une nouvelle série, donc merci à tous. Et donc on est là pour une nouvelle série, donc pour la Camponotus d'Afrique. Donc c'est une Camponotus Macu Latus, donc si je m'en souviens bien par rapport aux commentaires. Donc merci à tous d'avoir été aussi nombreux à me donner autant d'informations sur elle, etc. Et donc, je vous avais demandé de me donner un nom. Donc, cette reine s'appellera Kaya. Ça m'a été proposé par Mathias. Un vernon. Excuse-moi si j'écorche un peu ton truc. Mais, donc, il s'appelle Mathias. Et donc, il a proposé Kaya. Je trouve un nom assez original et assez sympa. Donc, si vous remarquez bien, toutes les reines ont fini par un prénom avec un A. Yena, Kaya et Athéna. C'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir dire donc de cette reine? Tout d'abord, bien sûr, elle vient d'Afrique. Elle a déjà pondu, comme on peut le constater, avec la petite grappe 2 qui est juste à côté d'elle. Donc, je la chauffe à peu près à 25 degrés avec un tapis chauffant. Je vous montrerai toute l'installation ultérieurement, car forcément, j'ai rechangé quelques trucs par rapport à la dernière fois, vu que j'ai de nouvelles colonies, enfin bref, etc. Et donc, du coup, ça a beaucoup changé. Et donc vous aurez ça prochainement. Sinon, elle va très bien. Hein. La reine est plutôt speed. Elle bouge beaucoup. Même s'il n'y a pas trop de bruit ou quoi que ce soit, elle est souvent en mouvement, s'occupe très bien de ses œufs. Là, vous avez une belle démonstration sur l'écran. Donc moi, je la trouve vraiment magnifique. Et on peut voir ses beaux traits de couleur dessus, etc. Donc merci encore à tous pour votre participation, etc. Merci à toi Mathias d'avoir proposé ce nom, même s'il y avait énormément de jolis prénoms. Merci à tous et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.